Salut à toutes et à tous, c'est Néon77, j'espère que vous allez bien. Alors pour aujourd'hui, récupération de tube fluo que j'ai vu et récupéré dans la rue. Alors, il y avait un tube Osram, donc ici, qui était dans une poubelle. Donc du coup, je l'ai récupéré. Et après les quatre autres, donc il y a trois Sylvania et un Osram. Donc qui traînait dans la rue avec les cartons qui étaient là-bas et j'ai demandé l'autorisation de les récupérer et donc ils ont accepté. Alors les tubes, alors déjà les tubes sont super crades, donc un petit nettoyage fera pas de mal après, hein. Alors ensuite qu'est-ce que je peux dire? Bah les tubes ils sont quand même bien défoncés, hein, Surtout le Osram là-bas, hein. Celui-là il a vraiment pris cher. Le Sylvania, pareil, bien marqué. En fait, ils sont tous bien marqués ici. Après, si on regarde de l'autre côté. Bon, ça a l'air mieux quand même, mais bon. Donc, bon, pour être honnête, je pense pas que la récupération va être très rentable, hein, mais bon. On va voir ça. Allez, je ferme les rideaux et je reprends. Bon, voilà. Les rideaux sont fermés. Alors, je sais pas si le focus marche correctement, mais bon. Allez, on va déjà commencer par les deux tubes de 58 watts. Donc, le Osram, je vais le placer. Si on pouvait voir, ce serait bien. Là. Et là-bas, voilà. Voilà. Et je vais placer maintenant le Sylvania. C'est l'avantage d'avoir une réglette double. Alors, bon, le palace, non, c'est 65 watts, mais bon, ça devrait passer. Alors, j'arrive pas à mettre le tube là-bas. Oh là là, en plus, la broche est tordue en plus. Oui, elle est même très très tordue, la broche là. Et pour couronner le tout. Eh ben, l'encoche n'est pas mise correctement. Alors, je reprends. Bon, voilà, ça y est, j'ai réussi à faire rentrer le tube. Eh ben, il n'y a plus qu'à, hein. Interrupteur, et c'est parti. Oh la vache, l'électrode est bien jaune, hein. L'électrode est bien, bien jaune, là, pour le tube Osram. Donc, du coup, les deux tubes clignotent. Bon, comme je pouvais un peu m'en douter, quand même, hein. Donc du coup voilà, ces deux tubes-là sont morts, mais au moins les électrodes sont pas cassées. Par contre ouais, le Osram il a bien douillé hein, quand même. Hein. Ça faut bien le reconnaître. Bon voilà, je ferai une vidéo double EOL plus tard. Hop, je vais éteindre ça. Et maintenant on va passer au tube de 36 watts. Alors je vais commencer par le Osram. Tiens, hop. C'est parti. Aïe 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 aïe. Et ben voilà, c'est en fait c'est cassé là-bas. Alors ça c'est plutôt étonnant parce que pourtant il est bien noirci de l'autre côté. Mais là clairement l'électrode est cassée ici. Donc du coup bah, ce tube ne marche pas. Je ferai un test avec un fil de fer plus tard. Hop, celui-là, du coup, il est mort. Ensuite, premier Sylvania. Attention. Bah, il a pas. Ah bah, oui, c'est normal, je l'ai pas branché. Voilà, c'est bon maintenant. Aïe, c'est cassé aussi. Ouais, puis ça n'a pas l'air de réagir. Bon, bah décidément, les tubes de 36 watts n'ont pas l'air de me réussir aujourd'hui, par contre. Après, bon, c'est une récup faite dans la rue, hein, donc j'avais pas grand espoir de trouver des tubes qui marchent. Mais bon, il en reste encore un à tester, même si, oui, ça m'étonnerait quand même que ça marche. Et Sarah, oui.
pourras te passer de ta blague. Hein? Pas vrai, hein? Bon, allez, hop. C'est parti. Pareil, il marche pas. Il marche pas. Bon, bah, les tubes de 36 watts, c'est pas la grande réussite, hein? Ceux de 58, ça marche mieux. Voilà. Bon, bah, du coup, bah, aucun tube qui marche, hein? Bon. Après, c'était une récup faite dans la rue, donc bon, je suis pas très surpris. Mais bon, bah voilà. Bon, bah, merci quand même d'avoir regardé et je testerai les tubes avec un fil de fer dans une prochaine vidéo. Voilà. Allez, sur ce, à plus tard et pensez à faire de la récup un peu plus rentable que la mienne. Allez, salut!